Tout de suite sur Bobo TV, la chasse au son avec Bobo. Retrouvons Bobo pour une nouvelle mission. La dernière fois, tu as découvert le son OU que l'on entend dans le mot loup. Tu as découvert ton premier gros bloc de feu. Bravo Bobo! Tu vas maintenant repartir à la recherche de 3 nouveaux blocs de glace. Et nous allons commencer par le bloc S, que tu trouveras sur le territoire des serpents à sonnette. Bon courage Bobo! Bobo est sur le territoire des serpents à sonnette. Tends bien l'oreille et écoute le son du bloc S. Un serpent! Oh, yeah, 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 yeah. Un. Une. Attention. Sur. Connais-tu maintenant le son du bloc S? Oui! Il fait le son S, comme dans le mot serpent. Ouais! Mission accomplie, Bobo! Tu as ramené à la grotte le bloc S. Et il fait le son S, comme dans le mot serpent. Vous voulez le fusionner avec un bloc de feu? Oui! Youpi! Fusionnons cette fois-ci le bloc S avec le bloc A. S. A. Ça. Waouh! On obtient la syllabe ça que l'on entend dans le mot savon. Ah oui! Et aussi dans sapin! Exactement! Bien joué! Joli travail, les amis! Place maintenant au défi de Dino. Les sons cachés. Cette petite canaille de Dino a caché 3 blocs. Écoute bien les sons et trouve derrière quel rocher se situe le bloc S. C'est parti. F. S. R. Écoutons encore une fois. R. Facile, non? Si tu penses avoir trouvé, mets la vidéo sur pause et va dans les commentaires pour écrire 1, 2 ou 3. Puis, regarde la fin de la vidéo pour voir la réponse. C'est bon? Tu as fini? Alors vérifions. Si tu as écrit 2, bravo, c'était la bonne réponse. Si tu t'es bien amusé avec Bobo et Dino, alors pense à mettre un pouce bleu
et à partager cette vidéo. Et si tu viens de découvrir la chaîne, clique sur la tête de Bobo et abonne-toi.